On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit Nathalie Mercier de la Saint-Vincent-de-Paul. Parce qu'il y a deux choses. Il y a la sollicitation postale. Vous allez recevoir une enveloppe dans le Publisac du mardi 1er avril. Non pas par la poste. Dans le Publisac, il y a l'enveloppe. Vous savez, c'est extrêmement important. C'est pas loin du tiers des revenus de la Saint-Vincent-de-Paul que la sollicitation postale. C'est un organisme qui n'est pas subventionné. Il reste pas beaucoup d'événements avant la fin de l'année fiscale, notamment le festin de fruits de mer qui se tient le 10 mai. Mais d'abord, parlons d'achat et de vente en ligne. Vous connaissez probablement des plateformes comme Amazon. Eh bien, ici, localement, s'organise. Et quand je dis localement, ce n'est pas juste à Saint-Jean, mais à la grandeur du Québec, le site lecentredachat.ca. Et c'est lancé par une entreprise d'ici qui s'appelle Megavolt Design. L'achat en ligne est devenu quelque chose de très, très, très populaire au fil des ans, probablement aussi au niveau de la jeune génération. On n'a qu'à penser à des sites comme Amazon et d'autres sites où on peut faire des achats en ligne. Maintenant, c'est un peu aussi au détriment de commerce ici au Québec et dans la région immédiate de Saint-Jean-sur-Richelieu, parce qu'en quelque part, il y a aussi une fuite de capitaux. Donc, si on achète une paire de souliers en ligne, bien, c'est une paire de souliers qu'on n'achètera pas nécessairement ici. Il y a une entreprise de chez nous qui s'appelle Megavolt Design qui vient d'implanter, de lancer une plateforme d'achat en ligne. Avec nous pour nous en parler, Jonathan Stigui. Bonsoir et bienvenue. Allô, merci. Bon, d'ailleurs, ça s'appelle le centre d'achat.ca. Vous avez présenté ça il y a quelques jours à peine du côté du congrès du commerce de détail. Expliquez-nous peut-être en gros à quoi ça ressemble. Oui, en fait, le centre d'achat.ca, c'est le principe d'une place de marché qu'on peut appeler. Donc, il s'agit de regrouper plusieurs commerçants québécois, parce qu'il faut savoir, c'est une plateforme qui s'adresse exclusivement aux commerçants québécois. Donc, les regrouper sous un même endroit, donc sous un même toit, si on veut. Donc, c'est la représentation d'un centre commercial réel, mais en virtuel sur le web. Bon. Qu'est-ce qui nous incite à s'en aller dans cette direction? Moi, je regarde mon propre comportement de consommateur. J'ai 43 ans. Quand je fais des achats en ligne, ça se limite à des billets de cinéma, spectacle, réserver un hôtel, puis parfois m'acheter un bidule là, que je trouve pas, que bon. Évidemment, les générations plus jeunes ont vraiment des achats que moi, je n'ai pas. Et là, quand je parlais tantôt de perte de capitaux, c'est un peu ça. Oui, tout à fait. En fait, on a créé, entre autres, cette plateforme-là pour essayer d'enrayer ce problème-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a très peu de commerces encore aujourd'hui au Québec qui sont présents en termes de vente en ligne sur le web, ce qui fait que les gens, par la force des choses, achètent beaucoup plus aux États-Unis parce que les commerçants ne sont pas présents ici au Québec. Donc, la plateforme sert un petit peu à ça, d'aider les commerçants québécois à faire leur premier saut en ligne. Est-ce qu'on a une idée des montants qui se dépensent annuellement sur le net? Oui, en fait, je n'ai pas les données de 2013, mais en 2012, les Québécois ont dépensé pour 7 milliards de dollars. Les Québécois? Oui, les Québécois uniquement. Et wow. Là-dessus, 50 % de ce montant-là a été fait via des sites américains, entre autres. Donc, des sites étrangers. Donc, c'est énormément d'argent. Et l'autre moitié, c'est un peu partout, quoi? Oui, exactement. Donc, il y en a quelques, un petit peu au Québec, mais c'est surtout à l'extérieur là, que les gens dépensent. Peut-être ils magasinent beaucoup les offres et ils vont avec, évidemment, ce qui est disponible aussi, là. Donc, si on fait, grosso modo, la règle, si on dit 50 %, ça veut dire qu'il y a 3,5 milliards du Québec qu'on a pris puis qu'on a envoyé aux États-Unis. Exactement. Puis c'est pas de l'argent qui revient nécessairement, là. C'est exactement ça. Bon, ça fait combien de temps que vous planchez sur ce projet-là? Ça fait un an maintenant que le concept a été créé, avancé, donc que tout ça a été élaboré. Donc, il y a eu différentes phases, en fait, là, au niveau du projet. Là, on est dans les derniers milles au niveau de la programmation, si on veut, de la plateforme. Donc, ce qu'on a fait au salon ou au congrès du commerce de détail, c'est vraiment de l'annoncer. Donc, cette plateforme-là existe, s'en vient, pour faire un lancement officiel ouvert grand public fin mai, probablement. Bon, il n'y a rien de comparable actuellement au Québec ou au Canada? Non, exact. Bien, au Canada, il y a des trucs similaires sans être identiques. Au Québec, ça n'existe pas. Au Québec, on connaît beaucoup les plateformes de type Shopify, votre site.ca, qui sont des plateformes de commerce. Donc, les gens vous vendent une plateforme, vous faites votre site vous-même et ensuite vous vous organisez pour vendre en ligne. La grosse différence, c'est pourquoi chez Megavolt, on a créé le centre d'achat. C'est qu'étant une agence, on fait énormément de sites de commerce électronique et on se rendait compte que pour les PME, lorsqu'on leur disait, mais ça va coûter 10, 15, 20 000 $ pour créer un site de commerce électronique, ils n'avaient pas les moyens.
Ceux qui décidaient d'investir l'argent souvent sous-estimaient l'effort en promotion et en marketing et en référencement pour faire connaître leur boutique. Donc, ce n'est pas parce qu'on a une boutique en ligne qu'on va nécessairement vendre et que les gens vont se garrocher, excusez-moi l'expression, mais vers notre boutique pour aller acheter. Donc, le fait d'avoir une plateforme groupée comme ça permet aux commerçants d'ici d'avoir une plus grande visibilité. Donc, on utilise la force du nombre, en fait. Là, vous désirez maintenant présenter ça au commerce de la région? Exact. Donc, c'est pourquoi qu'on l'a annoncé un petit peu au Congrès. Mais maintenant, il y a des offensives publicitaires. Il y a certaines ententes là, qu'on fait pour faire connaître la plateforme ici, évidemment, à Saint-Jean, mais partout au Québec. Le fait que la plateforme existe, donc pour un commerçant, je présume que le fait de participer à la plateforme va lui coûter peut-être quoi moins cher que d'avoir sa propre plateforme à lui sur son site web? Tout à fait. On parle de forfait de base allant, commençant à 30 $ par mois. Donc, si on fait juste penser à une publicité, par exemple, dans un journal ou dans une revue, ce que ça peut coûter pour une semaine, regardez ce que vous pouvez avoir comme publicité pour un an via le centre d'achat. Au-delà du divertissement, comme je disais tantôt, spectacle, cinéma ou encore réserver de l'hébergement, qu'est-ce que les gens peuvent acheter en ligne? À qui, dans le fond, ça s'adresse à quel type de commerce? C'est quand même assez large. Donc, tout ce qui est vêtements, livres, CD et tout ça, on retrouve à peu près de tout. Tout ce qui peut être acheté via une carte de crédit, donc qui n'est pas des montants non plus astronomiques parce qu'on ne veut pas dépenser des dizaines de milliers de dollars via un achat par carte de crédit, mais en fait, il n'y a pas de limite. Évidemment, les biens périssables, là, ça ne sera pas possible d'acheter ça là-dessus pour des raisons qu'on peut se douter. Ouais, parce que j'avais déjà vu dans le passé, même tenter l'expérience, je sais que IGA permettait de faire son épicerie en ligne, mm-hmm. mais ça reste quand même quelque chose d'un peu ardu. Oui, tout à fait. Sans savoir si finalement tu reçois le bon produit ou le produit de substitution, puis évidemment, on s'entend que c'est pour du non périssable, parce mm-hmm. que acheter un steak, c'est toujours plaisant de le voir, de lui toucher pratiquement. Donc, il y a toujours une limite dans ce qu'on peut faire. Mais par contre, on parle de vêtements. Certains diront ça peut même se comparer à l'époque où nos mères achetaient dans le catalogue Sears. Mm-hmm. Ah, oui, tout à fait. C'est un peu le même principe. On prend un catalogue, on regarde un article, on demande la bonne grandeur. Après ça, on le reçoit ou on va le chercher. Mm-hmm. Là, évidemment, si ça fonctionne, on le garde. Si ça ne fonctionne pas, on le retourne. Ouais, puis on a vraiment facilité tout le processus même de retour pour que ça soit plus intéressant à acheter. Ce qu'il faut savoir, l'avantage de notre plateforme aussi, c'est qu'on a déjà négocié pour les commerçants les taux au niveau des cartes de crédit. Parce que quand on fait un achat en ligne, il y a des taux Visa ou Mastercard, en fond, charge pour ça. On a aussi négocié les taux avec les transporteurs. Donc, pour un commerçant qui faisait le saut, en plus de construire son site lui-même via une plateforme X, devait négocier des taux avec les cartes de crédit, avec des serveurs de paiement et se trouver un transporteur qu'ils ne connaissaient pas nécessairement. Nous, avec les ententes qu'on a, étant donné qu'on a un volume, les commerçants peuvent compter jusqu'à 70 % de rabais au niveau des frais de livraison, puis au niveau des cartes de crédit là aussi. Donc, c'est des rabais assez intéressants à ce niveau-là. En quoi il devient plus rentable d'acheter en ligne que d'acheter au magasin? Pour le consommateur, vous voulez dire? Ouais. Bien, en fait, c'est le choix. Le choix est beaucoup plus varié. Donc, sans se déplacer, on a accès à des milliers de produits. On est capable facilement de comparer le même produit pour aller chercher celui qui est en vente, par exemple, dans un commerce. Donc, c'est l'accès à ces produits-là qui est rendu beaucoup plus facile. Bon, d'ailleurs, j'écoutais une nouvelle qui m'avait sursauté un peu dans le temps des fêtes. C'était le Boxing Day, puis on sait, exemple, comme Future Shop, font des rabais la veille du Boxing Day pour ceux qui achètent en ligne. Et on a vu au cours des nouvelles du mois de janvier que des magasins comme Future Shop ou Brick, évidemment, vont probablement dans les années à venir réduire le personnel, puis qu'au final, peut-être dans 10 ans d'ici, le magasin qu'on voit au Carrefour, ça va être plus un magasin comme pour aller chercher un produit ou honorer la garantie. Puis que dans le fond, le showroom, là, ça devient son écran d'ordinateur. Là. Ouais. C'est un peu ça le concept. Là. C'est-à-dire que tranquillement, pas vite, la nouvelle génération va faire en sorte que les gens vont magasiner dans leur salon, devant leur ordinateur, puis ensuite, bien, soit qu'ils font livrer le produit ou qu'ils vont le chercher ou qu'ils le retournent si parfois on a un problème. Ouais, c'est sûr que le conseiller en magasin aura toujours sa place. Donc, pour certains produits, on va toujours vouloir le toucher, l'essayer. Donc, ça va poser toujours avoir questions. Ça. Exactement. Ouais. Il y a deux phénomènes. Donc, il y a ce que vous parlez de dire, bien, on va aller en magasin, par exemple, le toucher, l'essayer. Ensuite, avec notre téléphone intelligent ou notre iPad, notre
notre ordinateur à la maison, on va aller comparer. Donc, j'ai touché ce produit-là, je l'ai essayé, il me fait. Maintenant, où est-ce que je peux l'acheter pour moins cher? Il y a aussi l'effet inverse de dire, maintenant, je magasine sur le web. Donc, je trouve le produit que je veux acheter, je vais l'acheter en magasin pour vraiment concrétiser mon achat, le toucher, l'essayer. Bon. À la limite, ça me fait penser aussi, pour ceux qui s'en rappellent, les fameux magasins distribution consommateur qu'on avait sur Séminaire, d'ailleurs, à côté du bâtiment de la SAC, où il y a la pharmacie Uniprix maintenant. Dans ce bâtiment-là, c'était un peu ça, sauf que le trois quarts du temps, il n'y avait jamais la marchandise qu'on avait en inventaire. Donc là, il fallait retourner deux semaines après ou il fallait aller à Brossard pour avoir le... Mais c'est un peu ça. Donc là, il n'y a pas de souci d'inventaire parce que là, on le sait en ligne si on a l'inventaire ou si on n'a pas l'inventaire. Oui, exactement. Donc, il y a certains commerçants qui peuvent même accepter des inventaires négatifs. Donc, eux autres, ils savent qu'ils sont capables de le commander. Donc, avec tout ça en ligne, dans le fond, lorsqu'un produit est affiché, on sait qu'il est disponible. Bon. Le centre d'achat.ca, donc le site existe déjà. Donc, on dit quoi? D'ici la fin mai, la masse critique de commerçants devrait être réunie pour pouvoir opérer le site? C'est ça. En fait, ce qui existe déjà, c'est la plateforme de vente. Donc, le site s'adressant aux commerçants, donc pour faire l'acquisition de commerçants. Fin mai, ça va être vraiment la plateforme d'achat. Donc, le grand public va pouvoir aller voir les produits de ces commerçants-là et d'acheter en ligne. Donc, on vise fin mai pour ce lancement. Dans le fond, ce sont des commerces de l'ensemble du Québec? Exact. Ou est-ce que vous allez le régionaliser? Ça, c'est une question intéressante parce qu'évidemment, ça s'adresse au Québec entier. Donc, on a des gens d'un petit peu partout déjà qui nous ont approchés pour faire partie de ce projet-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va avoir la possibilité de rechercher par région, par ville ou même par centre commercial. Donc, on a rencontré certaines personnes au congrès, par exemple, de Lac-Mégantic, qui nous ont approchés. Puis eux, ce qu'on leur disait, c'est que bien, vous pouvez faire la promotion acheter à lacmégantic.com et on redirige les gens vers la portion sur le centre d'achat qui regroupe tous les commerçants de Mégantic ou, par exemple, tous les commerçants de Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui, parce qu'à ce moment, et même à la limite, le consommateur va toujours être gagnant parce que si un commerce, je ne sais pas moi, à Saint-Hyacinthe ou à Joliette vend un truc 10 $ de moins que celui de Saint-Jean, bien, le commerçant d'ici n'aura pas le choix de s'ajuster au prix. Je veux dire, c'est un peu ça, là. Mais la compétition, c'est le web. Hein? Ce n'est plus juste le commerce qui est à côté de nous. Donc, si on n'est pas compétitif sur le web, on n'est pas compétitif, point. Donc, les gens vont aller à la page suivante, vont aller trouver le produit ailleurs si vous n'êtes pas sur le web. Ouais. On est loin du temps où on dénonçait les fuites des capitaux quand les gens allaient magasiner aux États-Unis, à Plattsburgh ou encore au 10-30. Alors que maintenant, ce qu'on se rend compte, c'est que plus les années vont avancer, ce concept d'achat en ligne fait en sorte que la compétition, elle n'est pas nécessairement à Plattsburgh ou à Brossard. Elle est partout. Elle est partout, exactement. C'est vraiment ce qu'il faut que les commerçants comprennent. Aussi, nous, c'est une plateforme d'achat en ligne. Par contre, on ne veut pas que les commerçants... est juste en tête de vendre. Alors, notre objectif, c'est aussi de présenter des commerces, de présenter des produits. Ouais. Et même, on donne la possibilité d'aller chercher un produit en magasin. Donc, si par exemple, je trouve un produit qui m'intéresse puis je vois que le commerce est à deux coins de rue de chez moi, je peux le payer en ligne et aller le chercher en magasin. Donc, notre objectif, c'est en même temps de leur faire de la publicité pour amener des gens aussi en magasin. Tout à fait. Le centre d'achat.ca, donc pour les consommateurs. Et s'il y a des commerçants qui nous écoutent en ce moment, bien, vous pouvez également vous renseigner auprès de Megavolt Design pour voir un peu qu'est-ce qui s'offre à vous et si vous désirez participer et offrir vos produits sur cette plateforme. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle de la Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean. On est actuellement à la fin du mois de mars, presque le début du mois d'avril, et le printemps qui est déjà arrivé va finir pour arriver pour le vrai, probablement dans les prochains jours. Mais c'est le moment de l'année aussi pour parler de la campagne de sollicitation postale de la Saint-Vincent-de-Paul, également un événement important qui s'en vient, qui est le festin de fruits de mer. Pour nous en parler, Nathalie Mercier, bonsoir. Bonsoir. Sollicitation postale, d'ailleurs, qu'on a reçue il y a quoi, il y a quelques jours, quelques semaines à peine? En fait, le 1er avril. Le 1er avril va être mis à la poste par le Publisac. Cette année, c'est parce que la fin est tout près. Donnons.
Alors, on a choisi de quitter Post Canada pour transiger vers Publisac parce que c'est beaucoup moins cher. Énorme, ça fait une grosse différence. Oui, oui, énorme, énorme. Sauf qu'on était un peu craintif parce que le Publisac, on entend souvent que les gens ne l'ouvrent pas, le jettent, mais c'est pour ça qu'avec une pré-sollicitation par les médias, ben, on invite les gens là, à considérer d'ouvrir le Publisac dans la semaine du 1er avril. Bon, sollicitation postale, c'est un événement qui est annuel. Biannuel, parce c'est que ça. Vous le refaites à l'automne? On le fait le 1er novembre, au lancement de la campagne de financement, où c'est vraiment notre majeur, et on fait le rappel au mois de mars-avril. Annuellement, la sollicitation postale correspond à quel pourcentage de vos revenus? Bien, annuellement, et habituellement, on parle de 150 000 $ mais cette année, c'est dépassé un petit peu. Ah oui? Oui. Notre première morceau. Campagne c'est a quoi, déjà fait près, son 30-40 % de la recette annuelle. Oui, 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 oui. Donc, c'est vraiment majeur. C'est très majeur. Il y a combien d'enveloppes comme ça? Cette année, on parle d'à peu près 23 000 enveloppes. 23 000 enveloppes oui, distribuées oui. sur le territoire de… J3A, J3B seulement. Donc, le territoire de Saint-Jean seulement. Autrement dit, la partie ouest de Saint-Jean-sur-Richelieu. Voilà. Exactement. Parce qu'évidemment, Iberville est desservi par un autre organisme. Et Saint-Luc. Et Saint-Luc aussi est desservi par un autre organisme. C'est ça. Donc, uniquement, dans le fond, la portion vieux Saint-Jean, si on peut. Ouais. J3B. Aussi, parfois, des donateurs qui étaient sur nos bases de données vont recevoir les sollicitations, mais celle-ci est vraiment ciblée par le J3B. Parce qu'on travaille avec le Publisac. Bon, dans le Publisac du mardi 1er avril. Oui. Donc, les gens reçoivent ça. Oui. Et quand on ouvre l'enveloppe, qu'est-ce qu'on retrouve? Notre carton de sollicitation avec un court texte là, qui donne un peu les statistiques de qu'est-ce qui se passe à Saint-Jean. Donc, 2700 familles dans le besoin, dont 950 enfants. À l'endo, la valeur du don avec les coordonnées, bien entendu, si la personne veut recevoir un reçu pour fin d'impôt. Bon, ça, comment ça fonctionne? Les gens n'ont qu'à cocher… À cocher ou à inscrire le montant autre. Autre désiré. Et tout simplement. Et là, vous allez envoyer par la suite le reçu pour fin d'impôt. Évidemment, les gens doivent… Pardon? Donc, les gens doivent évidemment reposter cette enveloppe. Si possible. Évidemment. Oui. La franchir. Oui, aussi. Évidemment. Non, mais je le dis quand avec même. Les nouveaux frais qui vont avec être les nouveaux probablement frais de Post-Canada, en vigueur. C'est ça. Mais bref, donc, c'est le principe de la sollicitation postale. Donc, oui. 1er avril, 1er novembre. Donc, vous allez recevoir ça prochainement, non pas par la poste, mais bien par le Publisac oui. cette année. Mais comme on le disait tantôt, c'est un gros morceau. C'est un gros morceau. Bon, il y a aussi l'autre événement qui est le festin de fruits de mer oui. qui, lui, s'en vient pour le… 10 mai. Le 10 mai. Alors, notre traditionnel festin maintenant, puisque c'est notre troisième édition. Alors, c'est un festin, donc un buffet, où on retrouve des moules, du crabe, des crevettes. On retrouve aussi des fesses de bœuf, cochon braisé. Et c'est un buffet à volonté, donc un homard grillé, un homard bouilli par billet et un demi-litre de vin aussi par personne. Donc, 100 $ du billet. 100 $ ça inclut une soirée dansante, un groupe de Rock and Java Band qui sont 8 musiciens, 2 chanteuses vraiment extraordinaires. Et il y a l'encan silencieux pour toutes les bourses aussi en soirée. Sous la présidence d'honneur de Olivier Derien, qui est-il? Alors, c'est le président du Club Richelieu cette année. On s'est associé au Club Richelieu depuis 2 ans. On trouvait que d'unir 2 forces majeures à Saint-Jean permettrait d'une part de faciliter notre vente de billets, mais aussi le Club Richelieu participe par un don dédié aussi à Opération Bonne Mine, donc à l'aide à la rentrée scolaire. Troisième édition, c'est à présumer que les 2 premières ont été quand même suffisamment satisfaisantes. Oui. Oui. Alors, l'an passé, on parlait de 350 convives. C'est encore notre objectif cette année. On peut le dépasser là, environ 400 personnes. Pasquier réserve une surprise à toutes les personnes présentes également. Donc, c'est une belle soirée où on mange très bien et que l'animation vaut son pesant d'or. Dans l'hypothèse où il y a des gens allergiques aux fruits de mer, y a-t-il des alternatives? Oui, bien, il y a le cochon braisé, ouais, il y a le bœuf, la côte de bœuf, toute la table de dessert, la table de salade, etc. Mais encore là, les allergies aux fruits de mer, des fois, les gens, juste d'avoir l'assiette près d'eux peut être un problème. Oui, tout dépendamment du degré là, c'est ça. Mais il y a des plats sans fruits de mer qui sont accessibles. Bon, cet événement-là vous rapporte combien? 15 000 $ par année. Notre objectif serait d'au moins 20 000, c'est sûr. On est gourmand. On veut faire moins d'activités,
qui rapporte plus. Parce que toutes les petites activités ponctuelles, toujours par les mêmes bénévoles, on est toujours en train de solliciter les gens avec des achats de billets. Donc, on essaye là, de se concentrer sur des majeurs et limiter le nombre d'activités par année. Vous avez aussi une autre activité, les Enchanteurs, en fait, dimanche le 30 mars, à l'église Saint-Gérard-Magella, à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est quoi? C'est la deuxième année? Deuxième année. Alors, notre ancien président, Edmond Tremblay, qui fait partie de l'ensemble vocal, c'est un ensemble vocal entièrement masculin, qui nous font revisiter la chanson québécoise, mais avec beaucoup d'humour, et quelques chansons mélodies a cappella, donc assez impressionnant. Bon, comment se portent les finances de la Saint-Vincent-de-Paul? Bien, elles se portent bien. L'année 2013 s'est clôturée avec un surplus de 42 000 $, dont on est très, très fiers. Qu'est-ce que vous allez faire de cet argent? Payer nos dettes. Oui, c'est ça. Tout d'abord, mais non, l'objectif est toujours le même. On veut augmenter la valeur des bons qu'on remet à nos bénéficiaires. Donc, vous avez fermé 2013 avec combien? Mon Dieu, là, tu me poses une question. Ouais, hein? L'objectif était de 425 000. On a un surplus de 42. Fait que, autour de 450, je pense. Là, Et même un peu plus. Donc, oui, bien, il y avait un déficit de l'an passé là, qu'il a fallu couvrir aussi. Là. Mais c'est quand même intéressant. Donc, ah oui, on est très heureux. Donc, vous avez dépassé l'objectif de la campagne de financement. Oui, qui était de 425. On a atteint 448 ou 450. Donc, fermé l'année avec 450 000 de revenus. Oui. Évidemment, il y avait une dette de l'année précédente, qui était déficitaire, le déficit de l'année passée. De 35 000 $. Et là, comment se porte le début de 2014? On était à la moitié de l'objectif. Donc, déjà? Oui, sur 450 000, on était à 200, 225. Sauf qu'il ne nous reste pas beaucoup d'activités d'ici la fin de l'année. Donc, la chorale, le fest Saint-Fruit de mer, le golf et la deuxième sollicitation postale. C'est tout ce Quatre événements. C'est tout ce qui reste. Pour ramasser 200 000 $. Parce que ce que vous allez récolter en argent à la guignolée de décembre 2014... fait partie de la prochaine année financière. Vous l'incluez dans l'autre année fiscale. Oui, notre année fiscale se termine au 31 octobre. 31 octobre? Oui. OK, je comprends. Donc, ça fait quand même une différence. Oui. Hein? Alors, 200 000, avec ces quatre événements à venir, là, on y croit pas beaucoup. Franchement, ah non? Non, on pense revivre un autre déficit cette année, sauf que le surplus de 2013 va venir éponger le déficit de 2014 probablement. Ça. Mais donc, vous roulez toujours un peu comme ouais. sur la ligne, là, c'est ouais. ça? Oui. Mais l'objectif, on le sait, on donne 63 $ de nourriture aux deux mois pour une personne seule. C'est sûr qu'on ajoute un montant quand il y a un deuxième adulte, des enfants et tout ça. Mais l'objectif ultime, c'est de monter ce barème-là. Avez-vous une certaine stabilisation du nombre de la clientèle? Oui, enfin, on a eu une diminution cette année. Pas énorme. On a surtout changé nos méthodes, nos façons de faire. Alors, les vendredis après-midi où on distribue les surplus ont été plus achalandés, ce qui fait que les gens, au lieu de recevoir de la nourriture aux deux mois, peuvent en recevoir chaque semaine en quantité moindre, avoir une épicerie plus complète aux deux mois. Ce qui a diminué un peu le nombre de bons bleus qu'on appelle, là, de dépannage vraiment structuré. Et on a été beaucoup plus rigoureux aussi là, dans les demandes d'aide. Ouais. Donc, au final, vous avez quoi, à peu près près de 3 000 usagers? 2 700 exactement. 2 700, ouais. dont 900 enfants. Oui, 854 là, ou 864. Mais on avait déjà touché presque le 3 000 à une certaine époque. Là. Oui. Oui, 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 c'est ça. Puis même à chaque année, ça montait. Donc là, il y a une stabilisation au niveau de la clientèle, oui. même à la limite, une certaine diminution parce que vous avez... Parce qu'on les refuse. Vous avez resserré vos critères. C'est pas une bonne nouvelle en soi, parce qu'on refuse l'aide. Quand les gens sont capables de démontrer un budget positif d'un surplus de 200 $, ils sont refusés. Un surplus de 200 $ par mois, là, ça, on rigole vraiment des gens. Là. Et on rappelle que la Saint-Vincent-de-Paul-Saint-Jean n'est pas un organisme hautement subventionné. Vous avez un petit peu d'aide ici et là, là mais... C'est ça. On ne reçoit pas de subvention de centre-aide ou gouvernementale. Fédérale, on a une aide municipale pour le coût du loyer, c'est tout. C'est tout. Donc, vraiment, c'est l'aide du public qui permet, dans le fond, de pouvoir aider, comme le disait Nathalie, à raison de 63 $ par deux mois pour une personne seule. Oui. Ça, c'est l'aide alimentaire, là. Oui. Plus les surplus que vous avez parfois le vendredi. C'est là. Ça, oui.
C'est quand même pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Puis je pense que la Saint-Vincent-de-Paul, on constate de plus en plus qu'on maintient un certain degré de sécurité alimentaire, ce qui fait que les gens sont moins agressifs. Peut-être on espère avoir une influence sur le taux de criminalité, de vol, de suicide, etc. Puis on se questionne sérieusement si la Saint-Vincent-de-Paul venait à fermer ses portes ou si on devait couper les salaires. Ça, c'est toujours l'ultime question. Demain matin, vous n'existez pas, il arrive quoi? C'est 3000 personnes sur la rue qui vont avoir faim, des enfants, 900, 800 quelques enfants qui vont avoir faim. On fait quoi avec ces gens-là? Là? Des gens désinstitutionnalisés qui ont faim, c'est des bombes à retardement. Là. Donc, les enchanteurs, dimanche le 30 mars à l'église Saint-Gérard. Et bien sûr, à partir du 1er avril, dans votre Publisac, la sollicitation postale avec la petite enveloppe là, qu'on a montrée ici tantôt. Et sinon, après ça, le 10 mai, c'est le festin de fruits de mer au pavillon d'extrase du Collège militaire. Donc, au profit de la Saint-Vincent-de-Paul, 100 $ le couvert. Nathalie, merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Merci beaucoup, Éric. Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Si vous désirez vous inscrire ou inscrire vos enfants aux activités du printemps à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, loisirs et bibliothèques, donc il y a une pléiade évidemment d'activités que vous pouvez retrouver sur le site Internet de la ville parce que vous pouvez maintenant vous inscrire en ligne. À chaque semaine, on vous présente notre émission qui s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Je vous présente des extraits des travaux du Conseil. Le Conseil qui se tient le premier et le troisième lundi de chaque mois. Et avec un Conseil, on vous présente bien sûr deux émissions. Télébingo, dimanche matin, 9h30 en direct au Câble 9. Il y a 3500 $ en prix, dont la carte pleine à 2000. Une trentaine de dépositaires pour acheter vos livrets. Pour connaître la liste, vous allez sur le site Internet de la télé ou vous téléphonez ici même. On dessert quand même un grand territoire, tout le territoire MRC au Richelieu-Rouville. Également des villes comme Farnham, également Chambly et Carignan qui sont desservies par notre télévision du Richelieu que vous regardez en ce moment. Et pour me joindre directement par courriel, Éric Latour à commercial tvhr9.com. Rendez-vous demain. Bye bye.